Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour tout, juste avant d'aller des pouces bleus. Et vous avez une question, on peut regarder les idées d'achat plus on part de la série partenaire de la saison 2, épisode 7, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé là-dessus. C'est parti, donc Amélie, aujourd'hui, en premier temps, Amélie, là, on va reparler un peu de toutes les descriptions de vidéos, de ce qu'on a fait des achats précédemment. Donc on va revenir jusqu'à l'épisode 66, donc de 68 de l'épisode 66 à l'épisode 70. On va reparler toutes les descriptions, les réparations, tout ça, on va vraiment faire un point. Et après on va vraiment les idées après, d'accord? Parce que voilà, faut vraiment qu'on parle d'achat, vraiment les idées. Ça sera pas plaisir. Ok, let's go, amis, on est parti, amis. Donc, amis, là, non, on va prendre le petit carnet vert. Donc, amis, pour les descriptions vidéo. Donc, amis, là, c'est pour la vidéo Partie de rien, saison 2, épisode 66. Donc, amis, on avait acheté dans l'épisode 66. Donc, on avait acheté le 20e champ. Donc, c'est le 20e champ, c'est le champ 20. Donc, 20e. Ouais, ça, regardez, ça, oui. Donc, c'est le 20e champ, champ 20. Et après, amis, on a acheté aussi l'usine de vêtements. Et en réparation, donc, cette vidéo-là, on avait réparé la moissonneuse TX 32. Et la barre de coupe de 6m1, d'accord. Donc la barre de coupe, ouais, j'appelle ça 6m maintenant, mais bon, 6m1, 6m c'est pareil, d'accord. Donc ça, amis, c'était pour l'épisode 66. Après, amis, bon, amis, description vidéo, donc amis, là, c'est pour l'épisode 67, donc partez dans rien, c'est dans 2, épisode 67. Donc, amis, les achats, donc amis, on avait acheté le 21e champ, et c'est le champ 94. Après, amis, on a acheté la première cuve à essence dans la deuxième ferme. Après, amis, on a acheté le 6e tracteur, classe Action. 800 à 870 édition, c'est une édition spéciale, d'accord. Donc c'est une colorie noire, donc je pense que c'est pour ça que ça parle d'édition spéciale, d'accord. Et bah, donc le moteur c'est entre 800 et 870. Et après, donc, on avait acheté le 22e champ, et c'est le champ 66. Et après, on a mis dans les réparations, voilà, ça qu'il y avait pas mal de choses sur cette vidéo là. Donc on a mis les réparations, c'est le tracteur Steyr Profi CTV 4145, donc voilà, ouais, le Steyr. Le cultivateur de 8 mètres, le Lenken solitaire 12/800. Après, on a réparé le tracteur Valtra N174 versus, donc là voilà, le Valtra N74 versus, c'est le Valtra bleu, hein, d'accord, qui est un peu puissant et qui est en boîte manuelle. Et il roule, voilà, et 55 km/h. Et après, amis, dernière chose qu'on n'a pas de cette vidéo, épisode 67, c'est le cultivateur de 8,3 mètres, donc le Lizard HV830. Donc après, amis, let's go, dans la description vidéo, donc partie de rien, saison 2, épisode 68. Donc, achat, donc amis, on a acheté le convoyeur Grim SL8022. Après, on a acheté le petit silo Bunker, donc pas détaillé, ouais, c'est pas grave. Bon, bah de 6m à x 31m. Je crois que c'est. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Bah, c'est pas grave. Donc, après, les amis de réparation, donc on a réparé la moissonneuse TX 32, la barre de coupe de 4m et la planteuse de 4m. Donc, la barre de coupe, je crois que c'est la barre de coupe à maïs. Hein. Ouais, certainement, ça va. D'ailleurs, les amis, je crois que ça n'a pas été pressé. Donc, après, les amis, let's go. Avant d'aller à l'épisode, amis, à partir de la description vidéo, donc partez de rien, saison d'épisode 69. Donc, amis, on a acheté le 23e champ, et c'est le champ 31. On a acheté la planteuse de 6 mètres, Mazimia 3TL, et on avait acheté deux options. Donc, on a acheté le 24e champ qui coûte aux alentours de 23 000 €, et on a acheté le 25e champ qui coûte aux alentours de 5 000 €. Et réparation, on avait réparé la moissonneuse classe Lexion 620 et la barre de coupe de 9 mètres. Et les amis, on va partir de la dernière vidéo, donc description vidéo de partie de rien, épisode 70. Achat, donc on a acheté donc un emploi mouton à bâche, donc c'est un 45 bâches qu'on a acheté. On a acheté la mini presse Massey Ferguson MF 800 1840. Donc on a acheté l'Arcusin Multipack D14. Et après, on a acheté la Tonao Lizard Spectar 5000. Et en réparation, donc on a réparation de cette vidéo là, on a réparé le Steyr Profi CTV 4145, le semoir de vue de 8 mètres, le MK solitaire de 12/800, la barre de coupe de 6 mètres, et la moissonneuse Newland TX32. Bon, la TX32 elle est souvent réparée, je trouve que ça, là on entend pas vraiment. Voilà, on va. Donc là, on a quand même constitué tout ce qu'on a fait dans les derniers épisodes. Ah, c'est quand même beaucoup, mais bon, à l'avenir, ça fait vraiment beaucoup plus d'achats. C'est que les vidéos des descriptions vont être plus longues, et tant qu'on détaille tout ça, ça va être de plus en plus long, d'accord. Mais bon, les vidéos ne peuvent pas non plus être trop longues non plus.
Donc Damien, on va revenir sur les idées. À partir de maintenant, Damien, on va revenir sur les idées. On a un petit peu de temps. Je crois qu'on a même beaucoup de temps, je pense. Attends, je vais juste un petit point. On est qu'à 5 minutes. Ok, on a 5 minutes de vidéo. Donc, on va pouvoir parler. Donc Damien, on va parler tout ce qu'il nous reste à acheter. Bon, les idées d'achat. Donc c'est pour ça. Donc les idées qu'il nous reste à acheter, qui est pas encore acheté plutôt, parce que bah, il y aura d'autres idées qui sont faites. Donc voilà, donc les amis, sur la première feuille que j'ai fait moi, elle est tous validée. Donc ça fait plaisir, on a tout validé. Donc voilà. Après, j'ai mis amis dans la. Donc amis là, donc la deuxième page que j'ai fait, donc il ne reste plus que acheter une barre de coupe, un maïs de 6 mètres. Ça, depuis le temps qu'on doit l'acheter, on l'a toujours pas acheté. Ça, c'est vraiment un truc qui est bizarre. Même moi, je n'arrive pas à comprendre. On a même pas encore acheté la barre de coupe de 6 mètres, un maïs. Donc pour la moissonneuse de classe. Après, on n'a pas encore acheté la deuxième ensileuse. Bon, ça va pas encore arriver tout de suite parce que on n'a pas encore attaqué la troisième ferme. Même si on va attaquer très 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 bientôt. D'accord? Donc après, comment vous achetez la moissonneuse? Il faut acheter une nouvelle barre de coupe à ensileuse. Bah oui, parce que si on achète une deuxième ensileuse, il faut acheter évidemment une barre de coupe avec. Donc après, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté encore? Une machine. On n'a pas encore acheté la machine à betterave. Eh oui, malheureusement, on l'a pas encore acheté. Malheureusement. Après les amis, dans l'autre page, on a quand même pas mal de pages, mais on va pas non plus trop, on va peut-être pas tout parler aujourd'hui. Non, oh purée, non mais là c'est encore tout ça comme page, non mais j'ai fou. On a marqué tout ça comme page, plus là, non mais ouais, c'est trop. On bosse quand même, hein. Nous on bosse quand même. Hein. Donc, croyez pas que les idées d'achat ça bombarde. Donc on a pas encore acheté aussi. Une remorque à raisin. On a acheté depuis longtemps. La machine à raisin, on l'a acheté depuis je sais plus quel épisode, je crois que ce serait bien. Épisode. Je sais même plus quand on l'a acheté la machine à raisin. Et ça qui est bien. 61, on a bien travaillé à la réparation. Mais on... Ah, non, on avait beaucoup acheté. La chargeuse, la remorque TP, la moissonneuse, l'utilisateur. Alors la moissonneuse, c'est quoi on a acheté la machine à raisin? Bah, je vois pas qu'on l'a acheté. Attends, on l'a acheté quand même un petit moment, quand même. Acheter le point d'eau. Alors, je vais juste vite fait. Ça fait quand même un petit moment qu'on l'a acheté, quand même. 1865. Alors, on a acheté une partie du. Ça fait un moment qu'on l'a acheté? C'est pas non plus si longtemps que ça, mais quand même, ouais, ça me paraît bizarre qu'on l'a acheté un moment. Je vais vous dire qu'on l'a acheté, les amis, parce que. Je vais vous dire. Vraiment. Ah, on l'a acheté il y a longtemps la machine. Ça, on n'a pas trouvé quand on l'a acheté. Ouais, je sais pas quand je sais même plus qu'on a acheté la machine, je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Donc, acheter la machine à une remorque à raisin. Ouais, ça me paraît bizarre qu'on l'a. J'ai même pas dit. Ça me paraît bizarre. Ouais, c'est pas grave. Acheter l'usine de raisin, on l'a toujours pas acheté. Ça doit faire un petit moment qu'on a acheté la machine, mais ouais, ça me paraît bizarre qu'on l'a pas noté. Ah, ça fait non plus 36 plombs quand même. Ouais, je sais pas quand on l'a acheté. Donc, on a les os. Je cherche pendant ce temps-là. Et. Ah, bah, plus super. Donc, je vais regarder. Donc après les amis, ouais, il faut qu'on achète l'usine à raisin. Après les amis. Ah oui, si, on a. Ah si, on a acheté 64. Ah putain, il est là. Ah, il est marqué là. Ah non, on a acheté 64 la machine à raisin. Attends, j'ai même pas vu sur la page. C'est pas. Bah, voilà, ok. Donc on achète aussi, acheter l'usine à raisin, acheter aussi le silo de raisin. Donc on a acheté celui d'olive, mais on n'a pas acheté celui de raisin.
Et d'ailleurs, c'est le même épisode qu'on a acheté le CO d'olive, en même temps que les raisins. Ouais, ça fait quand même un petit bon qu'on a acheté quand même la machine à raisins, ouais. Ok, ah mes amis, achetez le 7ème tracteur. Par contre, on l'a pas encore acheté. De toute façon, d'ailleurs, il faut qu'on privilégie aussi l'eau de ferme, malheureusement, parce que les amis, le Valtra va bientôt nous lâcher. Parce qu'il est déjà plus de 70 heures, et je pense qu'il faut pas qu'on achète la nouvelle moissonneuse. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Acheter la nouvelle moissonneuse, et ça nous manque beaucoup. Donc, il faut acheter la nouvelle moissonneuse, des nouveaux tracteurs. Là, ça va bientôt bloquer là-dessus, qu'on garde un peu Valtra quand même un moment. Je sais pas quand essayer de le garder chez la fin de la série, mais c'est pas même pas sûr, parce que si on bombarde comme ça, c'est pas dit. Et si après ça va en acheter des champs plus tard, faudrait qu'on achète deux moissonneuses par exemple. Donc c'est vraiment ce qui va arriver pour qu'on réduise le nombre d'heures. Mais c'est pas forcément évident. Acheter la première usine de sucre. Enfin ça on n'a pas encore acheté l'usine de sucre. Malheureusement on l'a pas acheté. J'espère qu'on va bientôt l'acheter bientôt aussi. Ça serait vraiment qu'on l'achète bientôt. Hein, d'accord? Parce que c'est vrai que. De toute façon, amis, là, faut bientôt qu'on achète aussi. Ouais bah non, parce qu'on peut déjà quand on a une planteuse, on peut se mettre des betteraves. L'avantage, mais le problème c'est avec une planteuse, ouais. Une planteuse qu'on doit faire avec les qu'on peut semer des betteraves, donc ça veut dire bah des betteraves, non c'est des betteraves, je sais plus comment ça s'appelle, ça, mais tout de voilà dans un truc sucré, tu vois. Donc faut qu'on fasse ça, mais oui, donc il faut qu'on achète la machine, il faut qu'on achète l'usine pour produire. Les autres amis, la force par visite, ça va être une gestion. Là, je pense que ça va pas arriver. Parce qu'on va pas acheter moissonneuse dans la troisième ferme. Sachant qu'il faut qu'on achète encore des champs. Mais ça va très vite arriver ça. D'acheter des champs dans la troisième ferme, bombarder la troisième ferme. Parce que c'est pareil, autrement on n'aura pas le temps, trop le temps de parler. Hein. Malheureusement, là il faut vraiment qu'on commence à bombarder. Voilà. Et d'ailleurs, mes amis, il faut quand même qu'on récupère des épisodes. Sachant que, amis, qu'il va y avoir aussi les orales que je vais vous proposer en vidéo. Ça se fait qu'il va y avoir mardi qui va être supprimé. Donc on essaiera de récupérer ça cet été sur un vendredi parce que au mois de juin on sera tranquille. Donc on essaiera de récupérer vers fin juin, début juillet, peut-être récupérer un ou deux épisodes. Et encore, au mois de juillet, je travaille, donc au mois de juillet ça va être chaud. Mais au mois d'août, pourquoi pas le récupérer au mois de juin. Donc on verra à peu près. Il faut quand même récupérer, ça récupère pas, mais bref, ça va faire des épisodes en moins. Et si on peut récupérer, ça fera quand même des épisodes en plus. Et sachant que normalement il faut que je récupère au moins 4-5 épisodes. Au moins 4 épisodes. 3-4 épisodes, voire. 4-5 épisodes, voilà, récupérer entre 3 et 5 épisodes. Donc il faut qu'on fasse encore 3-5 épisodes de vendredi. Et on a vu vraiment, il faut dire qu'on a à peu près jusqu'à fin, début, début novembre. Début vers maximum mi-novembre. Et bon, on n'aura pas forcément trop le temps, donc peut-être un peu que les vacances d'avril, on aura peut-être le temps de le faire, peut-être un vendredi, j'essaierai de prendre un vendredi au mois d'avril, d'accord? D'accord? Donc après les amis, il faut qu'on achète aussi acheter le premier équipement à engrais. Ça paraît, ça on n'a pas noté depuis, on n'a pas encore acheté. Malheureusement ça par bateau coup pas. On n'est pas obligé de le faire, mais le problème, bon, de toute façon on est obligé de l'acheter parce que de toute façon amis pareil, vous savez bien utiliser un 1 million d'euros, il faut posséder toutes les catégories du jeu de base. Alors de toute façon c'est pareil, à la fin, on n'a pas tout noté, mais sauf qu'à la fin il faudra avoir de l'argent pour acheter la canne à sucre. Et ça la canne à sucre, il faudra quand même qu'on fasse au moins une fois sur la canne à sucre, il faudra acheter un seul canne à sucre. Ça va être un boulot infâme, je pense, qu'il faut qu'on achète des cultivateurs, tout ça, qu'on achète des tracteurs. Et là, c'est vrai que la fin de la série, ça va être un bordel, je peux vous le dire. Que ça va être un sacré bazar. La firme va être en office bazar. Donc voilà. Donc évidemment, là, je suis d'accord, donc franchement, là, ça va être un bazar à la fin de la série. Chut. Donc à la fin de la série. Donc, vraiment à la fin de la série, il y aura plein de véhicules, plein de tracteurs partout. Des moissonneuses, tout ça, ça va être vraiment, et ça, vraiment quand je vais changer les touches, là, hein, quand je fais, vraiment je suis ça, les touches, gauche-droite, ouais, ça va mettre un moment à changer, parce que, sachant que les véhicules, oui, ça va être un bazar, ouais. Vous allez voir tout le matériel qu'il va y avoir dans la série, j'espère qu'on va pas trop faire bugger la série à la fin de la série, parce que, les amis, il faut quand même avoir 50 grandes serres, donc c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de tonnes à eau, tout ça, on aura des cuves alizées, d'ailleurs, des cuves alizées qu'on n'a pas encore acheté d'ailleurs, ça, on n'a pas noté, donc, normalement, amis, bon. Alors que vous voyez cette vidéo, il y aura le live qui sera fait. Donc logiquement, on aurait en parler en vidéo. Donc voilà. Donc après les amis, acheter pour fermenter et stocker l'ensilage. Sachant les amis qu'il faut que je renote un autre. Donc ça c'est pareil, il faut qu'on renote encore une fois. Parce que ça nous parle de la troisième ferme. Bon, alors là, il faut être validé là. J'espère que je vais valider dans les autres pages derrière. Au moins, ça va pas trop me décaler les trucs. Parce que logiquement, tout ça.
Encore, après, bon, vraiment, le CEO que j'ai marqué là, c'est pas quoi me faire. Mais sachant qu'il faudrait très bien avoir deux dans chaque ferme, il faut en avoir deux silos. Parce que le problème, c'est l'herbe n'est pas forcément prête, tout ça, tout ça. Tout ce qui est l'herbe est prête, on peut mélanger avec l'autre. Faut que le CEO de l'autre, faut qu'il soit vide. Donc, vous voyez bien le délire, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Et le problème, c'est que le CEO n'est pas prêt, si l'autre il est plein, il faudrait qu'on essaie vraiment de vider dans l'autre silo. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Mais ça va être sympa, ça va être une gestion aussi, ça. Après, les amis, acheter le premier bâtiment dans la troisième ferme. Ah, ça, on l'a pas encore fait. Les amis, il manque encore un bâtiment dans la deuxième ferme. Donc, ça, il faudrait qu'on vite fait qu'on revienne là-dessus avant que j'arrête la vidéo. Donc, voilà. Désolé pour l'aspirateur. C'est un moment pour l'aspirateur. Après, les amis, acheter l'usine de chaud. Donc, ça, c'est pareil, les amis. Sachant que, les amis, il nous manque, on n'a même pas noté. Ah, ça, c'est pareil, il est où, ça? Acheter la machine à pierre aussi. Donc ça c'est pareil. Alors là, oui, on vient un peu de la base d'air, mais c'est pas grave. Donc, les amis, pour acheter l'usine de chaud qui est en mode, évidemment, donc quand on a acheté une parcelle, etc. On va quand même l'acheter, d'accord, pour produire du chaud. Et ça sera vraiment intéressant parce que, les amis, après, les amis, quand on a vu les pierres, je sais pas, j'ai une sacrée tâche aussi, les matériaux, etc. Donc, ça, on aura beaucoup de tracteurs, on aura énormément de tracteurs dans la série. Franchement, ça va être gigantesque. Enfin, qu'on vient toutes les usines de production, tout ça, tout ça. Mais à la fin de la série, je pense, les amis, même si là, je pense que je suis en train de pas y croire quand même, je pense que vous voyez bien, ça va être une gestion infâme. Et je pense qu'on va même galérer parce que le problème, c'est que je vais gérer tous les modes. Merci, je crois qu'on gère tous les modes et tout, ça va être vraiment. Ça va être. Alors là, il faudra qu'on gère tous les tracteurs. On aura bien 20 tracteurs dans la série, mais on va peut-être pas 20 tracteurs, mais on aura peut-être au moins. On partira au moins sur 15 tracteurs parce que. Dans l'entour au moins un minimum de 13-15 tracteurs, 13 tracteurs minimum à mon avis. Donc vous allez voir, il faudra qu'on achète des camions. Ça va être. Non mais vous allez voir, le boulot à la fin de la série, ça va être infâme. Mais ça sera vraiment drôle, d'accord? Donc voilà. Ok. Donc amis, let's go. Après les amis, acheter deux nouvelles serres dans la deuxième ferme. Ça malheureusement on va pas acheter. On a pas encore acheté deux nouvelles. Il nous manque encore deux nouvelles serres qu'on a remarquées. Sachant qu'aussi, il faut qu'on achète aussi des serres dans la troisième ferme aussi. D'accord? Et sachant que le final, et sachant qu'on a vu, on a que. Là, on a vu, on a que 8 grandes serres. Donc, mais bon, après, on peut bombarder. Le problème, c'est que bon, quand on essaie de mettre en marche les serres aussi. D'accord? Avec des tonnes à eau, tout ça, vous allez voir, ça va être. Moi, je vais aimer la série. Ça va être fou. D'accord? Acheter aussi les herbes de fruits. Et aussi acheter avec l'usine de fruits. Oui, parce qu'on avait une usine en mode. Bon, ça, on va voir si on va l'acheter, mais je sais pas si on va vraiment la faire trop fonctionner en mode parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, il faudra qu'on achète au moins un tracteur qui restera là-bas. Qu'on achète dans un point de vente, etc. Enfin, ça va être bon. Mais, amis, je vais kiffer. La série, là, franchement, je suis en train de la commencer à la kiffer. De toute façon, amis, à force, amis, je ne moissonnerai plus du tout. Ça, c'est vous allez me décevoir. Ouais, Kim, tu ne moissonneras plus. Non, par contre, amis, les trucs que je pourrais pas faire, les olives, les raisins, la fauche. La presse, tout ça, ça va être un truc à le faire. Mais il y aura plus de moi, je ne moissonnerai plus. Déjà, je ne cultiverai pas parce que j'aime pas trop ça, cultiver et semer. Ah ouais, non, j'aime pas trop ça. Et bien, les amis, ça sera l'ouvrier. Les ouvriers vont aussi moissonner avec. Donc, on va faire comme assez gaffe. Voilà, mais il y aura plus de problème. Voilà, il faudra quand même qu'on vide souvent les bennes. C'est pour ça, les amis, il faudrait qu'on achète aussi des grandes bennes à la force. Donc, on garde la benne de TP parce que dans la première ferme, dans la deuxième ferme, il faudra qu'on achète aussi la même benne de TP. Déjà, en contact, ça se peut qu'on changera le coloris, on essaiera de voir, d'accord? Voilà, acheter une de fruits, voilà, aussi, voilà, forcément qu'on a deux gérer ça, etc. Mais qu'on achète aussi peut-être des donuts. Attends, mais après, il faut pas acheter aussi l'usine des pains et gâteaux. Alors, ça, les pains et gâteaux, ça va être vraiment une sacrée bazar, ça, tout ça. Parce que là, il faut ramener les œufs, les fraises, etc. Ça se peut que dans les herbes de fruits, ça se peut qu'on mettra une ou deux serres là-bas. D'accord? Oh, voilà, on ajoutera une ou deux serres là-bas. Parce que ça va être drôle aussi, ça. D'accord? Après les amis, bon, ça je l'ai dit, acheter un nouveau cultivateur de 9 mètres. Et aussi acheter une planteuse de 9 mètres. Donc, oui, parce que les amis, bizarre que. Oui, mais je crois que j'ai pas. Pourquoi j'ai pas marqué les 12 mètres aussi? Ah, parce que la feuille a défait. Mais attends, il faut que la feuille je la garde parce que. Il y a même pas parlé des cultivateurs de 12 mètres là? Mais je vois même pas le... Ah, ça me paraît bizarre qu'on n'a pas parlé de ça, on a même pas marqué que tu as 12 mètres, on a même marqué ça que tu as... Il faut vraiment qu'on les marque. Il nous manque pas mal de choses encore les amis. D'ailleurs, attention les amis, il faut quand même qu'on la fauche. Faut acheter aussi pour marquer aussi une nouvelle presse. Parce que malheureusement on garde la presse pour la deuxième part, parce que c'est logique. Hein. De toute façon je pense qu'avec le nombre de boîtes c'est vraiment trop petit.
Ouais, donc c'est ça. Ouais, bon, ouais, bah, les amis, bah, oui, parce que, bah, les amis, il faut pas acheter une nouvelle planteuse, il fera ça parce qu'on aura une nouvelle planteuse, d'accord? Donc, bah, non, non, oui, une nouvelle planteuse, on aura une nouvelle lancée. Après, les amis, acheter la machine pour couper les feuilles jaunes sur les raisins. Ouais, donc, amis, ouais, dès que les raisins sont. Dès que les raisins bah, ont des feuilles jaunes, il faut qu'on prenne la pince. Il y a un mode aussi qui s'appelle un mode et on peut faire en double. Parce que c'est super bien qu'on fasse ça en double, ça nous gagnait deux fois plus de temps. Je peux vous le jurer qu'on va gagner plus de temps. On va voir si ça marche bien. Si ça déconne, on partira sur 1, etc. Si ça peut vraiment marcher, ça c'est le top. Là, franchement, là je serais content. Vraiment. Non, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Après, les amis, acheter un deuxième bâtiment dans la deuxième ferme. Ouais. Bah, ça c'est pareil, c'est pour combler des. C'est en 500 000, ça faut qu'on achète aussi. Bah, ça va acheter très 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 prochainement. Parce que, bah, d'ailleurs, on va bientôt emprunter et on va finir le chiffre à 250 000 euros. D'accord? Donc, bah, ça, voilà. Alors, bah, ça va être les objectifs. Donc, on va récupérer vraiment de l'argent dessus, d'accord? Donc, aussi, vraiment l'argent dessus. Putain, déjà 21 minutes là? Oh, bah, on a bombardé pas mal. Mais, franchement, là, ouais, vraiment, là, c'est. Ok, ok. Alors, les amis, bon, bah, les amis, on va s'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. Voilà. Donc, on n'aura pas fait non plus grand chose. Il me manque encore des feuilles qu'on parle. Il me manque encore une, deux, trois feuilles. Trois feuilles et demie. Et encore, voilà. Donc, on va revoir là-dessus. Donc, la prochaine fois, les amis, ouais, je vous dis les idées d'achat. Je pense que dans la vidéo, dans deux semaines, on va revenir là-dessus. Dans deux semaines, donc on parlera des 71 et 72. Parce que, voilà, on comparera ça, les amis, dans deux semaines. Dans deux semaines, on refait une vidéo là-dessus, les idées d'achat. Donc, voilà. Et là, la vidéo, les amis, elle est vachement longue. Donc, bah, ok, ok, voilà. Voilà, voilà. Et en fait, les amis, il faut vraiment que je vous fasse aussi une vidéo pour le planning. Pour qu'on fasse, voilà, faut que je vous parle des vidéos, des idées. D'accord, des prochaines vidéos dans les prochains mois, faut que je vous fasse une vidéo. Qui sont peut-être un jeudi. D'accord, mais ça, ça se peut que la semaine prochaine, peut-être je vais le faire ça, peut-être là, ça, peut-être jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain, je pense faire une vidéo spéciale. Voilà, faut que je fasse ça cette semaine. Parce que, voilà, d'accord, je vais marquer sur l'ordi pour qu'on fasse ça. Ça, tout ça, tout ça. Faut qu'on vise la PSE, tout ça, les maths, etc. On a tellement de choses à parler, les amis, pour la suite. Donc là franchement on a quand même pas mal de choses. Donc voilà. Non mais c'est vrai que là il y a beaucoup de choses à penser là. Ok ok voilà voilà. Voilà voilà voilà. Bon bah les amis, cette vidéo elle est terminée, merci d'avoir reçu. Mais voilà, comme je vous dis, comme je vous dis, il y aura une vidéo dans les paniers pour voilà, qu'on fasse vraiment les orales, les orales d'histoire, géographie, EMC. Il y aura 8 feuilles, alors je vous dis, c'est pour ça que ça va, c'est là que ça va coincer. Plus les questions, etc. Les PFMP, donc les périodes milieu professionnel. C'est bon qu'il manque encore celui du mois de mars-avril. Donc, ouais, là ça va être énorme. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Et voilà, donc, d'accord. Et puis voilà, en fait, j'espère que voilà, ouais, voilà, faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Voilà. Et après, j'ai pas d'amis, c'est qu'on révise l'histoire avec. Donc, ça se fait, les amis, on verra bien les épreuves qu'il y aura. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà, vos amis, cette vidéo, elle est terminée. Merci d'avoir reçu un petit pouce bleu. Et donc, c'est une cloche, j'avais passé une bonne journée. On est tous. Ciao, tout le monde, après. Ciao.